plus à l'Éternel de se briser lui-même. On est sans d'une femme dont il est créateur. Rabbi, le fils du grand charpentier, n'a pas opéré de miracle pour nourrir sa famille, pour vêtir ses frères. Le charpentier devait travailler pour nourrir le Dieu du ciel, pour vêtir le prince de Pérès. Oh, quelle humiliation! As-tu déjà vu un roi qui se fait flageller par ses sujets? Oh, quelle souffrance! Il a plu à l'Éternel de se briser par la souffrance. Il faut briser le vase d'albâtre pour que le parfum se répande. Il faut mortifier la chair pour déclencher la puissance. L'humilité précède. Il se livra aux impies pour sauver l'humanité.